Je pense que tu devrais lui dire. Il est amoureux de toi. Écoute, ne reviens pas ici sans lui dire où. J'ai peur. Tu sais comment sont les hommes, non? Toujours imprévisibles. Oui, je sais. Mais Mario est amoureux et gentil. Lui dire serait la meilleure chose à faire. Dis-lui que tu portes son bébé. Ah, je pense pas que je suis déjà prête à le lui dire. Ah, babe, je te rappelle, je vais ramasser ma boucle. Ok, pas de soucis. Mario? Célie. Créature, qu'est-ce qu'elle fout ici? Une seconde. Ce n'est pas ce que tu penses. Je te promets que c'est... Donc, l'histoire veut se répéter une fois encore. Non. Je te promets, crois-moi. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Mélodie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bébé, écoute, je peux... Tu peux expliquer quoi? Mario, expliquer quoi? J'ai tout entendu et j'ai tout vu. Mais écoute, je peux t'expliquer. Je peux t'assurer que ce n'est pas ce que tu crois. Je suis désolé. Et qui peux-tu être? Demoiselle. Miss. Très maladroite. Je suis sur le point de devenir la femme de quelqu'un. Et je n'en dirai pas de même pour toi. Petite et cervelée. Sale chienne. Waouh. Mario. Waouh. Comment tu ouvres la bouche quand je parle? Imbécile. Je croyais que tu avais un peu de classe. C'est tout ça? C'est très minable. Mario. Ferme ta bouche. Je ne t'ai pas donné la parole. Vas-y, ferme ta gueule. Mario, enchaîne ton chien haut. Enchaîne ton chien. Dieu merci, tu le sais. Je n'aboie pas seulement. Mais je mords. Pas comme toi, pute de bas étage. Et j'espère que tu connais les conséquences de flirter avec le mari d'autrui. Femme mariée, t'es-tu demandé pourquoi cet homme placé là a choisi de flirter avec moi? Vous savez quoi, ça importe peu, vous vous méritez les deux. On doit vous couronner le couple de l'année. Non. Non, quoi? Peux-tu voir dans quoi tu m'as mise? Des petites putes qui se permettent de me parler de la sorte. Maintenant, regarde-moi bien. Si tu penses que tu vas remettre en question ta promesse à cause de cette chose, dans ce cas, attends-toi au pire. Je te dépiècerai en morceaux de viande. Je dois avoir peur, hein? Tu fais peur. Tu sais quoi, écoute, c'est clair, c'est fini et je m'en vais d'ici. Bébé, n'ose pas me toucher. Bébé, écoute, je suis désolée, mais tu ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Tu penses que je ne peux vivre sans toi ou que je ne peux rien sans toi? C'est fini et je m'en vais. Bébé, écoute, attends. Je suis désolée. Écoute, tu peux pas partir maintenant. Tu peux pas t'en aller maintenant. Attends juste un peu, s'il te plaît. Passe un temps, quelques minutes. Juste un peu, s'il te plaît. Je suis désolé.
Je pensais que j'avais finalement trouvé l'homme. L'homme fait pour moi. J'étais juste dans un nuage. Je n'arrive toujours pas à le croire. N'es-tu pas sûre qu'il était en train de vouloir te faire une blague et qu'il te réserve une grosse surprise? Il n'y a rien qui puisse être plus grand que le fait que Mario a une femme avec qui il va se marier dans 2 mois. Quelle stupide j'ai été. Dans ce cas, il doit être un bon acteur car ça n'a pas du tout de sens. Comment peut-il jouer avec 2 femmes? Comment a-t-il pu le faire? Je croyais qu'il était sérieux. Écoute, je suis vraiment désolée. Ok? L'amour de ta vie arrive. Et cette fois, il n'y aura pas de mensonge ou quoi que ce soit. Ok? Je sais que Dieu voit tes larmes. Inula, pourquoi n'ai-je... Pourquoi n'ai-je pas de chance avec les hommes? Ça va aller. Ça va aller. Ok? Ai-je fait une bêtise? Non. Pas du tout, ma puce. Tout ira bien. Mario, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mec, ne me dis pas ça. Ne me dis pas cela. Écoute, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Que la vérité soit enfin révélée au grand jour. Je peux maintenant vivre librement. Quelle vérité? Que je t'ai ramassé dans les égouts et fais de toi ce que tu es pour que tu puisses me le rendre avec de l'amour et c'est comme ça que tu me le rembourses? Pourquoi parlez-vous comme si votre relation était terminée? Ce qui s'est passé était juste un caprice. Mario, demande pardon à ta femme et passez du... Tu es malade? Es-tu fou? Écoute, si tu dis encore cela, tu auras affaire à moi. Écoute, je l'ai dit plusieurs fois. Je ne veux plus de cette fille. Je n'épouserai pas une femme qui est trafiquante de drogue. Allez, vas-y, on verra. Lâche-moi, mec. Mario, as-tu oublié qui est Céline? Cette fille est une pute sans cœur. Elle peut en finir avec nous en un claquement de doigts. Qu'est-ce qui t'arrive? Mario. Thank you.
Mario, il y a une petite différence entre l'amour et la haine. Et crois-moi, tu n'aimerais pas voir mon mauvais côté. Le mariage, c'est dans 2 mois et tu te comportes ainsi? Il n'y aura pas de mariage. Hein? N'est-il pas évident? C'est moi qui décide. Et non le contraire. Écoute, Céline, je ne peux pas. Pourquoi, bébé? Je pensais qu'on avait tout. L'argent, l'amour, allez, et l'apparence qui va avec. Arrête de jouer. Non, pas du tout. Je voulais plus. Mais tu ne l'as du tout pas en toi. Je veux la tranquillité. Mario, tu ne peux pas faire ça. J'ai tant rêvé que tu sois mon mari. Tu es l'homme de mes rêves. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais, je fais de tout mon possible pour être un bon mari. Mais toi, tu n'as jamais essayé d'être une bonne femme. Le genre de femme avec qui je voudrais passer le reste de mes jours. Est-ce une insulte? Non. Je n'ai dit que la vérité. La vie a tant à nous offrir. L'argent, l'amour et le mariage, et tout ce qui va avec. Tu ne me respectes pas. Tu ne m'épaules pas. Et tu vends de la drogue pour vivre. Que veux-tu que je fasse? Me marier avec une trafiquante de drogue? Non. Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Mais c'est comme ça que je gagne de l'argent. Ce même argent que j'ai utilisé pour te rendre propre. Mais tu m'as menti. Tu m'as menti sur toute la ligne. C'est parce que je voulais te protéger. Te protéger de tout ça. Me protéger? Je ne serai jamais en sécurité auprès de toi. Même mes enfants ne seront pas en sécurité. Écoute, je n'avais pas l'intention de te mentir ou de te décevoir. J'ai fait de mon mieux pour te l'avouer, mais j'ai même voulu arrêter les choses avec elle. Mais ton mariage, c'est dans 2 mois déjà. Oui. Pourquoi tu mens? Hein? Pourquoi? Il n'y a plus rien entre toi et moi, alors pourquoi mentir? Bébé, écoute, je suis ici parce que je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé, c'est pour ça que je suis ici. Tu ne peux pas voir que j'étais de ton côté quand il y a eu cette bagarre à la maison. Il est évident que je suis de ton côté. Vraiment? Oui. Donc je dois applaudir pour toi. Parce que tu vas rompre avec ta femme pour moi. Qu'est-ce qui se passera quand tu trouveras une femme plus belle? Tu rompras avec moi pour elle? Non, Mélodie, ça n'a jamais été mon intention. En te rencontrant, j'ai réalisé que tu étais le genre de femme avec qui je veux faire ma vie. J'étais déjà sur le point d'arrêter toi avec Céline. Est-ce vrai? Non, j'étais. J'étais sur le point de le faire. Après avoir découvert le genre d'affaires qu'elle faisait. Tout va bien chez elle? Elle porte ton enfant. Pourquoi es-tu si méchant? Attends, attends. Tu veux dire qu'elle enseigne de moi? Oui. Elle voulait te le dire jusqu'à ce qu'elle trouve le billet d'invitation de ton mariage. Et ta fiancée l'a littéralement agressée. C'est une bonne nouvelle.
S'il te plaît, parle-lui pour moi, s'il te plaît, parle-lui. Je suis prête à tout faire, absolument tout, je m'en fous des conséquences, s'il te plaît. Bébé, tu enceintes de moi? Tu lui as dit? Oui, je devais le faire. Il devait connaître dans quelle merde son jeu t'a mis. Je ne joue à aucun jeu. Ok, ce n'est pas un jeu. Je ne suis en train de jouer à aucun jeu. En tout cas, ça ne change rien. C'est fini, je vais m'en débarrasser. Non, 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 bébé, je ne te laisserai pas faire ça, mon enfant. Attends voir. Bébé, allez. Bébé, s'il te plaît. Ne m'appelle plus bébé, arrête. Ok, t'en as passé beaucoup de temps déjà. Libère. S'il te plaît, parle-lui. Tu l'as bien entendu, s'il te plaît, va-t'en. Mais, s'il te plaît. Va-t'en, s'il te plaît, sors d'ici. S'il te plaît, ne laisse pas faire cela, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que je serai papa. Je dois bien faire les choses. Je serai papa. Je dois bien faire les choses. Mario, nous devons parler. Parler de quoi? Donc, tu veux qu'une autre femme vienne profiter de tout ce que j'ai bâti? Juste parce que tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi? Mario, nous allons nous marier. Point final. Céline, pourquoi ne veux-tu pas arrêter cette relation et passer à autre chose? Vas-tu me rembourser mon argent et retourner d'où tu viens? Mais de quoi parles-tu? Je t'ai remis tout l'argent que j'ai investi dans mon affaire. Grâce à moi. Oh, je vois. Tu ne peux pas me rejeter et prendre ce que tu as pour donner aux pauvres. Je veux tout ce qui t'appartient. Et ce n'est que de cette façon que tu pourras sortir de cette relation. Mort ou vivant. Écoute, Mélodie est enceinte de moi. Et il est impossible pour moi de laisser cette fille accoucher hors mariage. Mélodie est enceinte de toi. Oui. Dis cet homme qui m'a regardé, avorté plusieurs fois sans rien dire, ni avoir de remords. Écoute, je ne le ferai pas. Je ne veux pas. Tu vois ça? Comme tu peux le voir, c'est une clé. Tu vois, cette clé contient des vidéos de toi en train d'utiliser, de fumer et d'avaler la cocaïne. Alors si tu ne veux pas que je la remette à la police, tu ferais mieux de t'en aller, tranquillement. Je peux voir que tu n'étais pas si naïve après tout. Je savais que tu n'allais pas me laisser m'en aller si facilement. J'ai dû chercher quelque chose contre toi. J'espère que tu sais à qui tu as affaire. Non. Mais les autorités m'aideront à mieux comprendre. Si tu ne veux pas arrêter les choses, calmement. Non, chérie. Ça ne sera pas aussi facile. Je te conseille de chercher un autre moyen. C'est si mignon. J'ai un rendez-vous avec l'organisateur du mariage. J'y vais.
Ouais, j'aime ça. Je pense que c'est bien. Mario. Je te rappelle. Pourquoi tu fais ça, Céline? Attends, premièrement, pourquoi cries-tu? Et qu'est-ce que j'ai fait à Céline? Mario, Céline s'est fait arrêter par la police. Oh, tu parles de ça? S'il te plaît, prends place. Allez, assieds-toi. Écoute, toi et moi savions que cette femme n'allait pas facilement me laisser respirer si je ne l'épouse pas. Mario, sois compréhensif. Je veux dire, c'est trop méchant. Frère, je veux dire, si tu commets un crime, tu devras t'attendre. Aux conséquences, voyons ça comme une bonne action de ma part pour la planète. Mario, tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Les gens seront en tes crousses. À quoi pensais-tu réellement? Mais personne ne me cherchera. Car j'en ai un tas sur eux. Mario, j'ai un mauvais pressentiment concernant cette affaire. Ne t'inquiète pas. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais terminer mon appel. Mario. Ouais, allô? Ouais, désolé pour ça. Comme je disais, je préfère celui-là. Tu sais, tu devrais l'écouter. Il t'a dit qu'il était désolé. Mère, calme-toi. Hein? Et Néola, combien est-ce que ce garde paie? Comment peux-tu dire ce genre de choses? C'est ton homme. Plus maintenant. Je reviendrai pas sur mes propos. Je me remettrai pas avec lui. Mel, il est désolé. Et de toute évidence, tu es celle qui l'aime. Désolé ne change rien. Ce gars m'a mise enceinte. Ne sachant pas qu'il a une femme qu'il va épouser dans quelques semaines. Quand est-ce qu'il allait en parler? Tu sais quoi? Je ne leur souhaite rien que le pire. Mais... bien, j'ai essayé de la convaincre. Mais elle est encore blessée et sous le choc. Peut-être tu devrais lui laisser du temps pour oublier. Je sais, mais j'ai peur. J'ai peur. Tu as entendu quand elle m'a dit qu'elle allait avorter le bébé. Je ferai en sorte qu'elle ne le fasse pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Oh, merci infiniment. Je voudrais que tu lui dises qu'elle peut venir vivre avec moi pendant que je commencerai à programmer la date du mariage. Et je pense que là, elle me fera plus confiance et... tu sais, ça lui prouvera que je n'ai aucune autre femme dans ma vie. Tu envisages déjà l'épouser? Bien, j'ai toujours voulu lui faire ma demande, même avant que je n'apprenne la grossesse. Ça dérange si je reproduis cette histoire? Écoute, je m'en fous. S'il te plaît. Parle-lui pour moi. Laisse-la, je m'en occupe, ok? Laisse-la, je m'en occupe. D'accord. Merci. Je t'en prie. Ok, je dois m'en aller. D'accord. Bébé, pourquoi sépares-tu le lit? Pourquoi est-ce que je sépare le lit? T'as un problème avec ça? Je pensais que on allait se faire des câlins en dormant. Tu veux faire des câlins? Oui, mais pourquoi fais-tu comme si c'était un crime de se faire des câlins? C'est un crime, Mario. Tu sais ce que je vois quand je te regarde? Je vois un menteur, un trompeur, un déceveur voulant me faire des câlins. Bébé, écoute, je ne suis rien de ce que tu as cité. Je suis juste... je l'ai dit maintes fois, je suis désolé. Je t'ai rencontré et je suis tombé amoureux de toi. Quand j'avais déjà, tu sais, fait des plans de mariage avec la mauvaise femme. Mais là, tu dis,
Écoute, je voulais te dire, mais ce n'était pas facile. Je voulais tu vraiment... Tu sais, je ne peux pas avoir la paix dans cette chambre. Donc, je m'en vais, je dors mes reçus. Bébé, s'il te plaît, je ne veux pas que tu partes, ok? Tu peux dormir sur le lit. Je veux que tu sois à l'aise. Ok, peut-être je vais juste dormir au sol. Ou bien sur le canapé. Bonne nuit. Je vais juste... je vais me coucher comme ça. J'espère que tu es à l'aise. Bonjour, bébé. Bonjour, Mario. Mario? On dirait que tu aimes m'appeler par mon nom ces jours-ci. Bonjour, votre éminente majesté, Mario. Écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire. Puis-je reprendre le travail? Où vas-tu habiller ainsi? Je m'en vais en boîte. Pour m'amuser, prendre un peu d'alcool, fumer et être heureuse. Je ne comprends pas. C'est ton vrai visage ici? Ou je vis juste sa vie une parfaite inconnue depuis? Bien, ça c'est la réelle moi. Je ne porte pas de masque. Pas comme certains hommes qui se cachent leur vrai visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi? Tu ne peux pas sortir fêter, boire et fumer. Tu as oublié qu'il y a un être vivant qui grandit en toi. J'ai une vie dans mon ventre et puis quoi? Donc je ne peux plus vivre? Je t'en prie, libère le chemin. Tu n'iras nulle part. Mario, s'il te plaît, je suis fatiguée et en retard. Excuse-moi. Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton problème? Mario, écoute, je ne veux pas de problème avec toi. Tu n'iras Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Dégage. Laisse-moi passer. C'est quoi ton problème? Mario? Quitte devant moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je veux dire, c'est n'importe quoi, ça. Je vais lui porter plainte. Es-tu fou? Tu as oublié qu'elle est enceinte? Elle porte mon bébé. Mario, qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu à quel point c'est pénible de refaire ces documents et que nos clients et nos investisseurs signent encore? Tu devrais parler à cette fille et qu'elle se calme pour des bons. Je ne ferai pas partie de cette foutaise. Écoute, mon frère. La vie n'est pas si dure. Ce n'est juste que de l'énergie, bébé. Ouh! Aïe, aïe.
Ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne, Davido. Aïe, aïe. Bouge ça, bouge ça. Ha, ha. Aïe, aïe. Bouge ça, bouge ça, bouge ça. Ha ha ha! Tiri tiri ti! Stop tiri tiri tiri! Yeah. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne te reconnais plus du tout. Tu n'es pas la femme dont je suis tombé amoureux. S'il te plaît, redeviens ma chérie. Iaé! Bouge, 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 bouge! Électricité. Allez, hein? Hey, hey! Prends ça, prends ça! Hey! Ha ha ha! Aïe, aïe! Ça ne regarde personne! Hey, hey! Aïe, aïe! Hey! Que celle-ci est mieux que Céline. Tu veux dire la trafiquante de drogue? Et tu penses que celle-ci est encore plus mieux? Mec, je ne veux plus te parler maintenant. Moi, je vais te laisser avec ta mère. Je voudrais d'abord que le manager voie ça, pour plus d'assurance et... après, il nous dira ce qu'il en pense. Je te rappelle. Hé, hey, bébé, où vas-tu habillé ainsi? Je suis sûr que t'es pas aveugle, je m'en vais au sport. Écoute, tu es encore à ton premier mois. Et ce n'est pas prudent. Tu ne devrais pas pratiquer certaines activités. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Je suis ton mari. Mon homme? Oui. Parce que je vis sous le même toit avec toi? Écoute, bébé, si tu continues ainsi, tu vas perdre le bébé. Et alors, c'est pas ça le but? Tu penses que je suis vraiment contente d'être enceinte d'un homme comme toi? Un menteur? Un trompeur? Attends, bébé. Non, même pas me toucher. Allô, Ignola. Ignola, écoute, je veux que tu parles à ton ami. S'il te plaît, parle à cette fille parce que je suis sur le point de perdre le contrôle. Je suis sur le point de perdre tout contrôle. S'il te plaît, parle-lui. Elle est en train de faire tout son possible pour perdre le bébé. Qui fait ce genre de choses? Écoute, si quelque chose arrive à mon bébé, je te promets qu'elle ne me reconnaîtra pas. Elle ne va pas me reconnaître si quelque chose arrive à mon bébé. Elle ne me reconnaîtra pas. Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent pas chez elle? Mais c'est quoi ces bêtises? Parle-lui, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Je vais l'attendre ici. Thank you.
Allô, babe. Il est en pleurs maintenant. Il a même voulu m'emmener à l'hôpital, mais j'ai refusé. Oh, mon Dieu. Tu vois, je t'avais dit que c'est un homme bien. J'imagine qu'il a réussi le test. Alors, que vas-tu faire à présent? J'ai une dernière carte à jouer. Quelque chose qui ne faisait pas partie du plan initial. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu exactement? C'est personnel. Mélodie? C'est privé. De quoi parle-t-elle? Je pense que je dois faire mes bagages et m'en aller. Vu que le bébé que tu désirais tant n'existe plus. Et c'est la seule chose qui nous liait. C'est mieux que je parte. Bon. Bonne continuité, Mario. Quel a été mon crime? Qu'ai-je fait pour réveiller cette colère en toi? J'étais juste un pauvre orphelin qui a reçu de l'aide d'une femme avec qui je croyais faire ma vie jusqu'à ce que je réalise qu'elle est une trafiquante de drogue. À cet instant, je me suis éloigné d'elle. Ensuite, tu es devenu mon monde. Mon tout. Je voulais tout arrêter avec Céline. Je me suis attaché parce que tu m'as raconté ton histoire. Et j'avais peur de te perdre. Je voulais te parler de ma relation turbulente avec elle, à laquelle je voulais mettre fin. Mon intention n'a jamais été de te mentir, ni de jouer avec toi. Parce que je t'aime. Oui, je t'aime de toutes les fibres de mon corps. Tu es une preuve que Dieu m'a toujours aimé. S'il te plaît, dis-moi. Car je croyais être tout pour toi. Je croyais que j'étais ton amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, bébé, dis-le-moi, je veux le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Car je ne mérite pas ce genre de traitement. Je ne le mérite pas. Je rêvais de devenir papa. Je rêvais de devenir papa. Mais tu m'as privé de ce bonheur, pourquoi? Pourquoi, Mélodie, pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu sais le plus fou dans ça? En fin de compte, Je suis toujours amoureux de toi. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans toi. Je t'aime. Je t'aime, Mélodie. Je n'ai pas perdu le bébé. Thank you.
Je n'ai jamais bu. Je suis jamais sortie pour boire et... Je l'ai fait juste pour me rassurer que tu ressentirais la même chose. Je voulais juste tester ton amour pour moi. Te pousser à l'extrême. J'espère que cette causerie n'a rien à voir avec Mario. Ah bah, c'est juste un homme comme ça. Prends ton jus. T'as finalement trouvé un gars qui s'intéresse à toi? Que veux-tu dire? Alors, as-tu vu ma messagerie? Ah, tais-toi. Messagerie qui ne contient que des messages de réalisation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant. Non. Oui, bien sûr. Je suis heureuse de te voir sourire. Ça fait un bail que tu ne l'as pas fait. Allez, trinquons. Cette inutile de Mario a volé ma joie. Non, c'est parce que tu as refusé d'écouter la raison pour laquelle il ne t'a pas parlé de sa relation avec Céline. Je suis pas intéressée. Je m'en fous qu'il ait raison. Babe, les hommes sont des salauds. Je te le dis, les hommes sont des salauds. Ma puce, arrête de te faire du mal avec des mensonges. Non. Écoute, pourquoi ne lui accordes-tu pas une deuxième chance? Ouais. Je veux dire, écoute. Il a proposé que tu ailles vivre avec lui. À Dieu ne plaise. Moi, vivre avec lui? Il n'y a rien de mal à ça. Tu pourras ainsi voir s'il t'aime ou pas. Et surtout que tu portes son enfant. Buse! T'es si naïve? Un homme peut te garder dans sa maison, en fait être avec toi tout le jour, tous les jours, et être capable de voir ses maîtresses sans que tu ne le saches. Écoute, je veux dire que tu devrais lui donner du temps pour voir s'il t'aime. Et mieux le connaître. Tu veux parler de mauvais caractère? Oui. Écoute, tu devrais lui montrer tes défauts. Et s'il peut les gérer et les supporter malgré tout, ça veut dire qu'il t'aime. Dans ce cas, tu auras l'esprit tranquille. Car tu l'auras poussé jusqu'au bout. Et il aura prouvé son amour pour toi. Quand tu me voyais prendre de l'alcool, c'était pas de l'alcool du tout. Tu m'as vu fumer. Je n'ai pas inhalé. Je l'ai rejeté. Je suis désolée si je t'ai fait te sentir mal. Ou si j'en ai fait un peu trop. Je ne voulais pas du tout te faire du mal. Je t'aime aussi. J'ai juste... Qu'est-il du bébé? Bah, j'ai juste mélangé un liquide et je l'ai mis là pour que ça ressemble à...
Bébé. Bébé, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, ne doute plus jamais de mon amour pour toi, car je t'aime plus que ma propre vie. Je suis désolé de t'avoir fait endurer tout ça, désolé de t'avoir caché des choses, mais je te promets de ne plus jamais le faire. Je le promets. Ok. Je voulais juste me rassurer de ne pas revivre les mêmes scénarios qu'avant. Je voulais juste être sûre que tu m'aimes. Bien sûr que oui. Studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Change.